Thank you.
Thank you.
C'était en été. En revenant de la campagne avec ma sœur, nous passâmes devant la porte d'un domaine. Je ne sais si ce fut caprice ou dérision, mais elle frappa à cette porte. Peut-être même ne fit-elle que la menacer du poing. À peine avions-nous dépassé les premières maisons du village que nous vîmes venir des paysans terrifiés. Ils nous montraient le domaine devant lequel nous étions passés et nous rappelaient le coup à la porte. Les propriétaires allaient se plaindre. L'instruction allait commencer. Par la suite, ils me dirent que non seulement ma sœur serait inquiétée, mais moi aussi, car j'étais son frère. Je haussai les épaules en souriant. Nous regardions tous en arrière du côté du domaine, comme on observe au loin un nuage de fumée en attendant la flamme. Et de fait, nous vîmes bientôt des cavaliers entrer dans la cour. Leur troupe était déjà sur nous. J'écartai ma sœur aussitôt, en lui disant que j'arrangerais tout. Elle se mit en route vers notre lointaine maison. Les cavaliers s'enquirent de ma sœur du haut de leurs chevaux. « Elle n'était pas là, leur répondit-on peureusement, mais elle viendrait bientôt. » Ils accueillirent la réponse d'un air quasi indifférent. L'essentiel, semblait-il, était qu'ils m'eussent trouvé. Moi. On m'ordonna d'entrer dans la salle du domaine. J'étais encore tout près de penser qu'il suffirait d'un simple mot pour qu'on me relâche avec les honneurs de la guerre. Mais quand j'eus franchi le seuil de la pièce, le juge, qui avait pris les devants et m'attendait déjà, dit « Cet homme me fait de la peine. » La pièce avait l'air d'une cellule, bien plutôt que d'une salle de ferme. De grandes dalles, un mur sombre et nu, un anneau de fer maçonné quelque part au milieu de quelque chose qui tenait du lit de camp et de la table d'opération. Respirerai jamais autre chose que l'air de la prison. C'est toute la question. Ou plutôt, ce serait la question. S'il me restait le moindre espoir d'être relâché.